Bon, c'est une suite, mais c'est vrai que ça aurait pu mériter ça mérite un peu plus de succès quand même. Clairement, il est tellement bien ce jeu. Après, il a quand même eu son succès, hein, mais. Ouais, mais franchement, je pense qu'il aurait pu aller plus loin, quoi. Toutes les mettre. Je comprends pas leur idée. C'est un jeu pur français. Ça a été vraiment fait par une boîte française. Il n'y a, jamais... a pas eu d'intervention extérieure. Le jeu n'a pas de VF. Ils ont voulu toucher peut-être plus de monde. Oui, mais justement, ils se sont sacrifiés pour toucher plus de monde. Mais il n'a pas eu le succès mérité, ce jeu. Ça me trouve le cul. Après, s'il avait plus de succès, peut-être que la boîte serait partie en couille aussi. Hein. Donc, de temps en temps, avoir un succès moyen, c'est pas mal. Ouais, peut-être. Pas prendre la grosse thèse et commencer à essayer de toucher le plus de monde ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, peut-être. Mais franchement, ça montre bien quand même qu'en Europe, il y a vraiment des talents, quoi. Parce que la musique, elle est géniale. Graphiquement, il est super beau, le jeu. L'histoire est super originale. Vraiment, ça, je m'y attendais pas, la révélation de fin du premier Stitz. Vraiment de très très bonnes idées, quoi, ce jeu. Et l'autre, Shadowrun, bon, bah, lui, c'est un jeu drôle, tour par tour, inspiré du jeu drôle papier du même nom. Malheureusement, il n'a pas le succès qu'il méritait non plus, malheureusement. Elle aurait pas en game, mais je vais le faire. Donc vraiment, Auré, je t'invite à venir voir ne serait-ce que la première séance de ces deux jeux, voir si ça pourrait pas te parler. Ainsi que les autres, bien évidemment, hein, c'est pas ça que je veux dire. On te veine. Ah merde, on a... Mais non, on a encore un jeu à Zaki. Putain, c'est non, pas possible. Non, pas deux jeux à Zaki sur coup, ah, s'il te plaît. Eh, je crois que le deuxième, le celui qu'on a eu tout à l'heure... Ouais, mais non, mais justement, on vient de chatter sur le jeu à Zaki, maintenant on va pas avoir de chance qu'ils font, hein. Ouais, c'est pas faux. Là, le jeu à Zaki, c'est sûr, il est mauvais, hein. Ouais, pas faux. Y'a... En fait, on tiendriez pas une seule journée dans le nez. Pourquoi pas de ma caisse, ça, fils de pute. Shadow World. Bah, elle est... Darksiders... oui, c'est pas faux. putain, Arnaud, j'ai bugué. Aylel, pardon. Alors, Auré, Darksiders, très bon jeu si tu aimes les Zelda, Zelda-like. J'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième m'a laissé un peu sur ma faim parce que le deuxième, visuellement, le personnage de mort, je le trouve dégueulasse. Et le 3, bah, le 3, malheureusement, ça va devenir un bête hack and slash parce que vu que c'est plus la même boîte, vu qu'ils ont, fait faillite et qu'ils ont été rachetés. Et là, ça va être un bête hack and slash, un personnage ultra sexualisé. Ça me parle vraiment pas. Et Brutal Legend, putain, ce jeu-là, il est génial. Non, c'est pas dernier, hein, monsieur. Je suis crevé. Oh, j'ai hâte d'y être. Parce que, putain, ce jeu-là, c'est quand même le jeu qui a été réalisé, financé, et qui a comme personnage principal Jack Black, hein. Alors pour ceux qui se demandent mais c'est qui ce mec là, ben en gros c'est le mec qui fait l'écrivain dans le film Chair de poule, qui est le mentor de jeune sorcier dans Le Secret de l'Horloge qui est actuellement au cinéma, etc. Je veux pas prendre Eve. Et Soma, attends, je vais vite à l'heure que ça me dit quelque chose, mais là je t'avouerai que tout le monde comme ça, je le vois pas. Donc, je suis pas dessus, je suis loin. Soma. Ah, ce moment je l'ai pas fait. Donc ça, je ne saurais pas dire. Là, je ne saurais pas du tout dire ce que vaut Soma. J'ai même pas eu d'écho sur ce jeu. Donc là, je serais vraiment pas te dire quoi que ce soit. Maintenant, je reviens, je vais pisser. Et oui, je suis encore en slip.
Ah, il est le bang on trade, quoi? Oh putain, j'avoue, ça fait trop bien avec le... Et... J'écoute l'autre entier. Ferme ta gueule, t'as pas appelé. Retourne chez toi, retourne chier, allez vas-y. C'est mon stream, connard. Ah bon? Ah mais tu vas voir, Brutal Legend, il est très très bien. Il y a juste un léger souci. Enfin, léger... Et encore, ça dépend. C'est... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il, moi je trouve, hein, c'est, mon avis, c'est qu'il part dans beaucoup de directions, et résultat, c'est une espèce de multipote de genre de jeu, parce que tu vas avoir, tu vas qu'une slash classique, tu vas avoir, oh, c'était quoi ça? Quoi? Ah, gros merci pour le follow! Attends, tu m'avais pas follow, connard? Arlo? Oui? Alors pourquoi est-ce que je viens d'avoir un follow de Halel TV là? J'en sais rien. D'ailleurs, je suis toujours premier chez toi. En fait, j'ai cliqué sur le j'aime de suivre sur ton clip, tu vois, mais j'avais déjà pu fait suivre en fait. Mais je comprends pas. Ah bah bravo! Ouais, ça, tu parles pas au maître de ton stream comme ça, hein! The number one! Hein? Le number one qui avait jamais follow la chaîne au final! Mais si! Alors pourquoi est-ce que je viens d'avoir l'alerte? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin, à savoir, pardon. Qu'est-ce que j'en sais? T'es vraiment l'enculé, t'avais jamais follow la chaîne! Mais si! Mais putain, t'es con quand je suis à tes profils follow! Alors pourquoi comment ça se fait que là ça vient de follow? Mais peut-être quand j'étais dans le clip, en fait, j'ai cliqué sur le suivre au-dessus à droite. Ah, peut-être. Parce que je pensais que c'était un j'aime, mais je sais pas, du coup ça fait comme si je te suivais. Ah, peut-être. Arrête de faire ta mijaurie, hein, putain. Engueule Lidane, lui, tu suis pas, par exemple. Si, il m'a su... Ah, si, il a fait un follow, lui, avec même ta sœur. Ah. C'est, tu vois, ça fait vraiment les deux bonasses qui rigolent de la petite crasse, là. Et donc, c'est ça que je disais avec Brutal Legend, c'est qu'il part dans beaucoup de gens parce que tu as donc le hack and slash bête et méchant, un gros aspect Zelda-like, et tu as de la gestion stratégie dans certains combats. Heureusement, j'ai pu rentabiliser le foot en prenant un kill aussi. Ouais. Ouais, c'est bizarre que ça a mis follow alors. Je sais pas. Moi non plus. Un allié a été tué. Ouais, en fait, il y a du mystique comme un débile et des follow la chaîne en fait et refollow derrière. Le connaisseur en est bien capable. Par contre, un truc que tu vas adorer dans Brutal Legend, c'est les musiques. Il y a tellement de musique et que t'es bon groupe, quoi. Et en plus, il y a aussi Ozzy Osbourne qui a participé au jeu. C'est même un personnage du jeu.
Y a juste un mec que j'étais étonné de pas voir dans le jeu en fait, c'est Rob Zombie. J'ai pas compris pourquoi il était pas dans le truc. Voilà les gars, je crois que c'est perdu. Ah ouais, pour ah, on a vraiment pas des bonnes équipes. Ouais, bien sûr, on a encore rien fait de mal aux bots aux dernières nouvelles. Hein. Non, non, mais quand je vois ce qu'ils ont fait. Là, voilà. Ah, le Karine, ça va, il a follow, il a réussi un minimum, mais le mid. Oh là. Ah, bah, genre, ça y est, hein, ça, on s'y attendait, hein. C'est parce qu'il a du pick Z au final que c'est pas un joueur assadi, hein. Ah mais ouais, mais vraiment, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment un gros jeu dans l'univers du métal, quoi, et du rock. Puis, pour donner un exemple, les magies que tu peux faire, c'est toutes tes solos de guitare, en fait. Le coup. Merde. J'ai bien joué. Non, je l'aurais pas. Oh, essaie de dévoir si tu sais. C'est trop une lag. Je lag sa mère. Ah voilà. Donc, si tu veux un jeu bien sympatoche dans les mêmes styles, Auré, je te conseille les deux Overlord. Mon niveau 6, c'est venir gank, ça les gars, j'essaye. Mais... Ouais, y'a pas de soucis, t'inquiète. Overlord, il est à mourir de rire ce jeu, tellement qu'il est bien. Ouais, rien ne t'empêche d'être dit guitariste, hein. Là, le mec il peut faire de la guitare derrière, hein. Mais c'est juste que c'est son métier, oui, c'est un roadie, son métier. Allez, c'est pas comme si on risquait de se merde. Bon, ça va, ça va, ça passe. Ouais, heureusement il a sauté dans les pirates comme le roi TTP. Ah mais c'est eux aussi hein, mais le métier de Rudy, oui, c'est les mecs qui préparent le concert et tout et qui préparent le matos, c'est pas. C'est, ils sont pas sur scène. Mais je veux dire, c'est un métier derrière, il peut faire de la guitare derrière le mec, hein. En dehors de son boulot. En plus dans le jeu, si je me rappelle bien, c'est expliqué, hein. Il a un putain de talent pour le métal, mais comme il n'a jamais réussi à avoir de groupe à lui, il a jamais pu percer, quoi. Si je me rappelle bien, hein, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pu jouer. Parce que Brutal Legend, je l'ai fait à sa sortie, je l'ai fait 2-3 fois pour bien le platiner. Et j'ai arrêté de jouer quand j'ai appris que la suite était annulée. Il devait y avoir un 2. Mais il a été annulé parce que la maison d'édition, ouais, vous avez pas fait assez de chiffres et tout, alors que le mec a tout financé de sa poche, quoi. Bon, genre, on se fout bien de ta gueule, quoi.
Et en plus, ce qui est très cool, c'est que tu vas. Chaque monde, bon, ce que tu vas débloquer, ça va être un style de rock différent. Tu vois, au début, c'est le rock groovy. T'es déçu, j'espère. Au début, c'est le rock bien groovy. Avec, par exemple, on a un exemple de rocker Prince. Après, ça va être du dark metal. Là, par contre, il faut pas trop me demander, mais je crois que c'est genre Evanescence, etc. Mais c'est un style de metal que j'aime pas personnellement. Et après, tu vas avoir le death metal. Ah, j'ai eu peur, mais en fait, ça on est pas si mal que ça. Avec des groupes comme Lord Death, Slipknot, etc. quoi. Et derrière, t'auras du Ozzy Osbourne, du Jet Black, bien évidemment, avec une SUSI. Tous les gros métalleux, genre. Enfin, tous les gros rockers, genre James Dio et compagnie, quoi. Allez, des bottes, gros. Eh bah, ben, Rengar! Le bot, c'était compliqué en early, mais s'ils ratent leur early, ils sont finis, hein. Donc, normalement. Bah, écoute, je suis à 5-0. Oh, mais ça, normalement, vous êtes devant maintenant. Et... Bref, c'était un bon jeu, quoi, Brutal Legends. Oh. Oh, lui, alors lui. Je peux pas. Merde. Oh, allez, c'est pas comme si on risquait de se blesser. Ah, il est long. Ah merde, désolé. J'aurais pas du bac. Mon plan se déroule comme prévu. T'as quasi tout cul, hein. Ah mais t'es en fufu, je suis con. Et là, y'a le gros. Tu oses plus me 1v1. Ah mais c'est quasi que ça c'est ma gueule. Oh. Je t'aide, hein, je te le pique pas. C'est Daniel qui veut se venger. Ouais, je crois. Non, bon. Bah, on va pas attendre, je vais prendre la tourmine. Ouais. Des infos. Oh, il y a un portier qui arrive. C'est parti, on va mettre les pyros là. Vas-y. Je crois qu'il a pas compris. Quand le chaton. Ah putain, il y a le gros qui est revenu. À lose. On est en ligne. Ah ouais non, il est au fond le chaton, hein. Il est au fond. Même la tristesse, hein. Bah il a foiré son early mec, hein. Attends, je vais te dire quelque chose de cool. Votre équipe a détruit une tourelle. Je prends quand c'est vite. Je prends quand c'est fort. Quel autre fusil ? Meurtre en série. J'ai de bonnes intentions.
Oh, Rengar. Oh, il voit ça. Ouais, je crois. Franchement. Oh non, mais c'est du vital, là. Ils donnent tous ça. Ah, je suis mort. Là, il m'a tout mis le Gradias, il m'a flash, bump, tout. Il me voulait le gros. Ouais, mais ils servent pas à int quand je suis à côté, parce que là ils sont en train de booster vos stats, mais moi Ah, c'est clair que toi ils s'en foutent, hein. Bah, ils en ont un. 7-1 pour moi, 5-3 pour Zaira. Ah bah bravo. Moi par contre je suis tombé sur le... T'as vu tes stats, mais voilà. Là je suis en train de m'énerver par contre, ça me casse les couilles. Et pourquoi? Ça me fait chier, ils sont en train de se donner, vous êtes en train de pousser vos stats, mais la mienne non, tu vois. Moi il faut que je tombe sur le seul qui n'y pas quoi. Ça me casse les couilles. Limite j'ai FK. Ah, regarde ça, allez, encore, il fight maintenant que je suis pas là. Il se donne, tranquille, voilà, quand je suis pas là. Respire. Non, non, ça me casse les couilles, par contre. Franchement, c'est un truc, genre de truc qui me ferait pas jouer demain, quoi. Continue, putain, ce fils de pute là, il s'est pas donné avec moi et là il. Dread dans 30 secondes, je vais vite back. Rien à foutre. Dieu, ah, là il dit. Là je suis là, il peut pas se donner, tu vois rien. Oh là tiens, un HP. Savais ? Je le savais ! Ouais ouais, c'est ça, ta gueule. Je suis folle, mais j'ai une mode exquise du tout vide. Ça veut pas t'arriver. Tu veux te ramener, c'est le moment. Oh bah j'ai rien donc bon, chapeau quoi. J'ai vraiment une chance à me pendre. Bon, ah oui, mais bon, quand est-ce qu'on tire? Eh, hey, on fait le héros? Déroule-toi.
Tiens, allez, je dis, ça va aller. Ah non, ça me casse les couilles, franchement. Et d'accord, t'es obligé d'être aussi désagréable. C'est pas pour toi, hein, je dis tout toi, genre de toi, quoi. J'ai dit, je fais plus rien là. Ah, c'est moi qui dois le prendre. Ah d'accord. Qui a besoin de raison? Un allié a été tué. Meurtre en oh, j'avoue, Riz, c'est drôle. A été tué. Ah non, c'est pas que je vais tenter, c'est juste que j'aime pas la voir, moi, en fait. Merde. Heureusement, ils ont pas osé. Oh, le con. Et je te dis, in de... Mais allez, c'est tout. Comment je suis pas là, putain. Allez, ouf. Ah, bien sûr, il va le faire. Et au fils de pute, il oui, par à 3 HP, bien sûr, c'est seul que personne n'a pas plus. Oh, on tente, allez. Allez, continuez, hein. Ouais. Allez, hop, le char va se donner maintenant. On va utiliser le juste smite pour essayer de choper des assists, attention on arrive à casser. Oui c'est... Un ennemi a été tué. Ah bah toi il faut la rentrer seconde pour essayer de choper un assist. Et moi tu vois j'ai juste envie qu'il se fasse défoncer en chaîne pour pouvoir jouer. Ah bah merci, ça fait plaisir d'avoir un pote comme ça. Ouais. T'as qu'à partager. Partager quoi? Quel genre peu moi s'ils se donnent quand je suis à côté d'eux et que toi ils en ont rien à foutre. J'en ai marre. Pff, allez va te faire une nique ta race putain. Il régène plus quand je fais mon R, mais putain que ça me pète les couilles. Pouf. Ah putain, ça aurait été une semaine dégueulasse, hein. J'ai des tas de... Un allié a été tué. Tiens, pourquoi d'ailleurs? Je suis pâle. Oh!
bah alors lui. Mais c'est pas possible. Il s'est perdu lui. Bon bah putain je vais acheter. Putain le casier, comment c'est que j'ai pas chopé à l'assise dessus. Il y a eu l'animation de mon Q et mon E. Alors là, vous allez plus me voir pendant un petit temps, je vous le dis. Mais putain, dis. Ah non. Tu avais pas laissé me caisse en plus, gros fils de. Faut au moins le tuer, histoire que j'aille mon assist. Ah, mais non! Bah non! Bah non, je vais le faire foutre, mais je comprends ça. Ah, merci. Moi, le poney aurait été utilisé une fois dans sa vie. Ah putain, regarde la staff du Rengar. Les larmes genre peur, tu vois. Il est parti full larmes. Ah, il pleure. Comme ils font. Oh là, ça me plaît. Pépé le Kha'Zix. Oh, fumier. Oh, Panthéon. Oh, Panthéon, mon ami. Non. Oui, ça, et je sais. Quel game de merde, putain. Les chansons auraient. Ça me casse les couilles, putain, ce manque de chat. Non, mais là, franchement, je m'en bats les couilles de ma félicitation. Hein. Je m'en bats les couilles. Étonne. Ah ouais, 15-5, Zaira, il s'est pas fait chier. Oui, c'est Z, hein. Un kill. Oh là, qu'est-ce qu'il parle, lui? Alors, s'il y en a qui sait quelle langue c'est, je veux bien qu'on me la dise. Parce que là... Ça pourrait être du javanais, ce serait pareil. Donc c'est chier quoi, j'ai eu que A+, quoi, avec 15-2. Ça va, attends, j'arrive pas, ils sont donnés. Tu voudrais pas S+, toi qui... Bah si, carrément, là, Daniel a bien vu. Mérité canal, mais ils méritent pas, ils sont mis donnés comme des chenapons. Ah écoute, ils sont donnés, pourtant t'as pas eu de kill toi quasi. Ah ouais, j'étais pas là. Ils sont donnés quand j'étais pas là. Comme d'hab, hein. On sait les châteux et ceux qui n'ont pas de chance, hein. C'est pas... C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. C'est tellement ça là par contre. Tellement ça par contre. Histoire du match chanceux.